So this is really an attraction pool for everybody who has problems in Brussels, like homeless people, like migrants, but also with drugs. There is a lot of traffic in Brussels, drug traffic in Brussels here, with crack, which is a very cheap drug that a lot of poor people want to use. Nobody has done anything for years, so this problem gets always worse, and that's what happens today, that everybody seems concerned, but I wonder what is going to change here. De uitdaging is een uitdaging van veiligheid die we verschuldigd zijn aan iedereen die gebruik maakt van Brussel-Zuid. Van leefbaarheid van de buurt van het station. En natuurlijk ook van het imago van Brussel en het imago van ons land. Et ces jeunes gens-là, ils ont vraiment besoin urgemment qu'on vienne les soutenir, qu'on les protège. Mais nous, on a dénoncé depuis pas mal de temps ce qu'on identifie comme étant plus de la chasse aux pauvres qu'une vraie volonté de solutionner le problème et de venir en soutien, en aide aux personnes. On l'a vu concrètement, hein, il y a eu des descentes de police, opérations un peu médiatisées comme ça, où l'objectif était clairement de vider les lieux des personnes qui dérangeaient. Nous, on sait très très bien que ça ne résout pas le problème, ça ne fait que déplacer le problème d'un quartier vers un autre. Et surtout, ça veut dire qu'on ne s'attaque pas aux vraies causes du problème. Ce n'est pas la sécurité et plus de sécuritaires qui va permettre de résoudre le problème. Ça en dit très très long. Ah oui, c'est clair. Bon, et après, je pense que là, les élections sont proches. C'est choquant parce qu'on voit des personnes qui sont vraiment en exclusion totale se faire embarquer dans des combis de police alors que ce n'est pas des criminels, quoi. Ce sont des personnes en difficulté. Voilà, je trouve que ça dit bien l'inadéquation de la réponse par rapport au problème.